Coucou les amis. Bon, ben j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours très bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de partir sur le château de la Roche dans la Loire. Apparemment, c'est très joli. Donc, je vais aller voir ça. Hein. On va essayer de se garer pas très loin. Et puis, je vous visionne tout ça. Et puis, on regarde un peu ce qu'ils disent sur ce château. Et puis on regardera les alentours, s'il y a de la balade à faire. Eh oui, ça caille, hein? Non, c'est pas que ça caille, c'est que je suis une bouillotte. J'ai pas regardé ce matin, il doit y avoir 12 degrés dans le camion. Donc voilà. Nouveau bonnet, comme vous voyez, hein, comment vous faire. C'est un bonnet, voilà, court, sans retourner. Ça me va bien. Allez, sur ce, je vous dis, je prends la route. Écoutez, le pépère, comme il tourne bien, il ronronne. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Voilà les amis, arrivé au château de la Roche. Petite vue. Il est pas beau ce château. On dirait le château de la sorcière. Avec, avec ses corbeaux là. Il y a des corbeaux de partout. Dans l'arbre, là, il y en a plein. Puis qui vont au château, là-bas, ils rentrent par les petits trous. À tout le tour. C'est joli, hein. Alors, comme vous voyez, ben, vu qu'on est en hiver, il n'y a pas un chat. Après, voilà, on est lundi. Je vais essayer de m'approcher. Après, on est lundi, donc voilà, les gens travaillent. Il est super joli, ce château. Hein. Il n'est pas très grand. Mais super joli. Platane centenaire. Alors ça, c'est un platane centenaire. Mais regardez-moi. Il y a plein de corbeaux, ils vont me chier dessus. Je ne peux pas rester trop dessous. Alors, bim. Donc, hop. Je vous prends une photo. Comme vous avez pu comprendre, ils sortent pas trop, plus de 200 ans. Il est énorme. Ouais. Alors, château de la Roche. Ouais, quand il n'y a plus d'eau, ça change, regardez. Je vous laisse lire, les amis. Faites un peu de lecture. D'accord, avant le barrage, c'était dans un sol étau. Hein. Voilà, voilà.
J'essaie de zoomer, je vois des dates en face. Comme vous voyez les amis, il y a une boucle à faire, 36 km et demi, 2 jours. Je connaissais pas et ben, ça donne envie de la faire. Après 2 jours, je sais pas si j'ai le droit de stationner là. Mais ça donne bien envie de la faire. Donc il y a une sacrée boucle à faire. Comme vous voyez là, on est ici et tout le parcours en rouge. Donc le pédane, il me dit quelque chose. J'y suis passé une fois au pédane. Donc voilà, c'est un pôle de Vézelin, tout. Après, il y a une autre balise, la balise de PR qui est en verte, mais ils disent pas le nombre de kilomètres. Donc, il faudrait le calculer par rapport à ce qu'ils préconisent. Donc voilà les amis, donc moi ce que je veux faire, parce que je suis en tatane, et ben en plus je pensais pas que le soleil allait sortir comme ça, il fait super beau. Je suis parti de ce matin, donc j'étais sur le château de Moron-les-Bains dans la Loire. Il faisait un sale temps, c'était couvert, je pensais que ça allait rester couvert, et ben non, ça se dégage, c'est super bien. Je suis trop content. Donc ce que je vais faire, je vais aller mettre les fameuses chaussures cross, hein, et puis on va se lancer un peu dans les sentiers, puis on va voir ce qui s'y trouve, ce que je peux visionner en plus, puis voilà. Donc le 3 avril, voilà. Donc qu'est-ce que vous savez que j'ai vu là? Voilà, donc des essales d'escape gamme là. Donc vous avez 60 minutes pour sortir de la pièce dans laquelle vous êtes enfermé. Pour cela, vous devrez utiliser les capacités de recherche, réflexion, de logique de chacun des membres de votre équipe. Ils font des trucs, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Donc voilà, hein, sur réservation uniquement. Voilà. Je vous mets, bim, voilà, vous avez numéro de téléphone, mail, tout, et date, le prix. Ouais, ils font pas mal de choses, quoi. Il y a aussi le restaurant, il y a... Voilà, voilà. Ils disent qu'on... Bon, moi je me change et je vous dis à tout de suite, je vous reprends. Et voilà, c'est sur cross. Donc je suis en train de voir, il y a une petite boucle à faire. Là. Circuit du château de la Roche, environ 6 km. Donc on va commencer par celle-ci déjà. Hein. Donc voilà, bah, ça doit faire le tour, hein. Petite boucle, tranquille. Donc à mon avis, c'est le parcours vert qu'on voit là, sur l'autre plan. Parce que là, château de la Roche, donc on est là. On est par là, ouais. La Roche. Donc voilà. On est là. Ok. Donc eh ben, on va faire ceci. 6 km, impeccable. Bon. Allez, c'est parti. Et on va passer par là. Donc c'est parti les amis. Regardez-moi ça. Soleil avec le château. L'eau. Oh. Trop beau. Trop, trop beau. Il est vraiment joli ce petit château. Ouais. Allez, c'est parti. C'est
C'est joli ce sentier, hein, il est joli, propre. Alors on retrouve des anciennes petites murailles. J'imagine toujours comment ça pouvait être à l'époque, quoi. Je suis vraiment attiré par tout ce qui est voilà comment c'était la vie d'avant. Pourquoi ces cailloux sont là, qu'ils ont été bâtis comme ça, qu'est-ce qu'il y avait exactement, à quoi ils servaient. Alors c'est, je suis intrigué par ça, intrigué. Voilà. Ah ben on continue. On suit les petites balises. Pour l'instant, il n'y a qu'un sentier, donc voilà. Il y aura peut-être une intersection plus loin. Ça monte, hein. Je dirais pas, ça monte un petit peu. Oh, j'ai l'eau, ok. Respire l'air pur. Ah, cette tranquillité. Comme c'est apaisant. Encore mes magnifiques pins, mes préférés. Ils sont trop beaux. Ils sont tout petits, mignons. Qu'est-ce que ça sent bon? Il y a une odeur là. Ça sent super bon. Oh. J'ai gardé la veste, les amis. La veste, le bonnet. Il n'y avait pas besoin. Je pensais pas que le soleil allait sortir comme ça, franchement. Quand je me suis levé ce matin, oh, ça donnait pas envie de sortir du lit. Hein. Et puis bon, faut se motiver. Ah, ça fait du bien les marches comme ça le matin. Ah, trop du bien. C'est super joli. Ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. L'eau en dessous. Un méga rocher là qui surplombe l'eau. Alors là, de la bourrique qu'il y en a, hein. Regardez-moi ça. Elles sont bien, là. Elles sont bien, les bourriques. Là. Regardez cette vue. Ah, elle me regarde. Là-bas, il y a un coq. J'ai vu traverser là.
Alors, je sais pas ce que c'est que ça, les amis. En bordure de chemin. Voilà, une petite arme. Je sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, les amis, ben, vous me le direz sur les commentaires. Une racine. Ce que c'est la première fois que je vois ça. Il y en a un autre là, hein, je l'ai pas vu. Un autre là derrière, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être joli en fleurs, je sais pas. Ah, ma ciboulette sauvage. Oh bordel, qu'elles sont bonnes. Vous savez quoi, les amis? Je crois que je vais me faire une fricassée d'œufs à la ciboulette. Ciboulette bien fraîche. Là, ça craint rien. Voilà. Impeccable. Il y en a de partout. Bon, là, elle est vraiment au bord du chemin. J'ai été la prendre là-bas derrière. Une petite poignée comme ça suffit. Hein. Impeccable. Donc là, je suis sur le chemin du retour. Donc j'ai fait le parcours des 6 km. Regardez ça, les amis. Plein de touffes de ciboulettes. Regardez. Bientôt arrivé, ça descend. Des petites fleurs comme ça, j'en ai trouvé de partout. Je sais pas ce que c'est comme espèce, mais il y en a de partout. Encore de la ciboulette sauvage. Voilà, il y a encore là. Partout, partout dans les bois, regardez. Un petit ruisseau d'eau qui se jette dans la Loire. Parce que là, j'arrive, je vois le château à l'angle derrière les bois. Là. Et là, il y a une maison là, qui doit dominer légèrement. Ça doit être une maison secondaire. Je sais pas. Les volets c'est tout ouvert. Donc là il y a une voiture, mais je l'ai vu tout à l'heure, c'est des pêcheurs. Donc c'est pour la mise à l'eau des bateaux. Donc, voilà voilà. On arrive par ce côté. Côté gauche du château. C'est vraiment magnifique ce coin. Ouais. Je vais mettre ici des canards, des gros canards noirs. Regardez ce petit coin là, tranquille. Et non, ils ont pas eu peur, hein. Ils ont fait le feu de bois ici, hein. Carrément sur sous des arbres, coin de peur, sur une sur des racines, regardez. Coin de peur. Pas de poisson.
sur le rocher. Voilà. Écoutez les canards, ils viennent de s'envoler. Donc voilà les amis. Ça, c'est la belle vie. Bah, c'est sûr qu'on voit rien. Hein. Il fait nuit noire. Il n'y a que le château qui est allumé. Voilà. Château allumé avec son reflet dans l'eau. Et moi, au bord de l'eau, en train de cuisiner au feu de bois. Je me suis régalé avec une tanche. Je me suis régalé avec la tanche. Bon, ben maintenant, c'est petite coquillette assaisonnée aux viandox, sel, poivre, ciboulette sauvage que j'ai cueillie ce matin. Voilà, tout au feu de bois, tranquillou. On est posé, tranquille, tout seul, pleine nature, dehors. Il fait pas froid. Je pense que la vidéo va se terminer là. Donc je vous souhaite bonne nuit ou bon appétit pour ceux qui passent à table. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.